Hey, salut les culteuses, salut les culteurs. Donc, comme promis, je vais vous faire une petite vidéo explicative pour vous montrer un peu les bases, pour vous expliquer comment ça se passe, NBA 2K15. Maintenant que j'ai un petit peu dosé le jeu, j'en suis à genre 90 heures dessus. Et puis, bah, en préparation du tournoi, je sais que c'était demandé par tous ceux qui commençaient le jeu cette année. Donc je vais vous expliquer. Donc déjà moi là on est en mode NBA Actu, NBA Today. On va aller en entraînement. Ce sera plus simple de vous montrer 2-3 trucs. Donc les entraînements, si je me rappelle bien, c'est dans... Non. Entraînement freestyle. On s'en fout, on va prendre... Allez, voilà. On va prendre... Donc à savoir... Que NBA 2K, c'est de la simulation. On peut jouer un peu arcade et tout, mais pour le tournoi, on va être en mode simulation, en niveau All-Star, donc en niveau moyennement élevé, on va dire. Et que la base de NBA 2K, c'est quand même prendre son temps, ne pas rusher comme un foufou. On va changer de joueur. On va prendre. Comme il est blessé. Ah forcément, comme il est blessé, je peux pas le prendre. Ah, super. Bon, je voulais prendre Durant. On va changer d'équipe. Alors, on va prendre Harden. Alors ça recharge. Ouais, les temps de chargement de NBA 2K. Donc je disais voilà, il faut pas rusher comme un foufou, il faut être tranquille, laisser le jeu se développer et venir à toi, venir le jeu à soi. On peut le mieux pour moi, je pense, appeler des stratégies, donc bien sûr connecter des stratégies. On va prendre Harden, comme ça on est tranquille. Voilà, donc la base NBA 2K. Donc moi je joue en mode normal. Donc vous pouvez jouer à l'ancienne où quand on appuie sur la gâchette gauche avec le stick, ça fait les shoots, et si on appuie que sur le stick, ça fait les dribbles. Donc les dribbles, donc bien sûr forcément on bouge avec le stick gauche, les dribbles avec le stick droit. On peut faire à droite, il fait comme ça, à gauche, voilà, hop, des mouvements dans le dos, en haut, clac clac, et en bas ça fait comme ça. Vous pouvez faire des gauche-gauche, des droite-gauche, des quarts de tour, voilà, des demi-tours quand il fait un spin, voilà, des hauts-bas, et savoir que si après vous faites un dribble et que vous tenez la direction appuyée, il va déclencher son shoot, genre comme ça, hop, là je tiens appuyé, et il balance son shoot, voilà. Donc la nouveauté de ce NBA 2K, vous l'avez peut-être sûrement vu comme vous avez joué, c'est la jauge en bas du personnage qui représente en fait le timing de shoot maintenant. Donc vous voyez, donc ici, je vais vous afficher, voilà. Chose à savoir pour les joueurs, chaque joueur a ses zones de shoot préférentielles. Donc vous voyez là où c'est transparent, c'est des zones neutres. Donc il est à ses stats de habituel. Les zones bleues, c'est ces zones où il est un peu négatif. Donc il va avoir un petit malus de stats de shoot. Bon, un mec comme Harden, il va quand même en rentrer. Hein. Et les zones rouges, c'est ses zones préférentielles. Donc il va avoir un petit bonus de stats de shoot. Avec un timing un peu plus... comment on va dire, un peu plus permissif. Donc voilà, vous voyez, donc là par exemple, vous voyez, là hop, la jauge bleue qui représente le timing de shoot, plus rien, parce qu'on est vraiment en dehors de ces zones de shoot. Là, vous voyez, ça s'est agrandi, et là normalement ça s'agrandit encore un petit peu plus. Donc la zone de le timing de shoot, la jauge en bas, il faut, voilà, vous voyez, hop, ça s'est agrandi plus, et là ça se baisse. Donc le timing de shoot, voilà, donc quand vous appuyez sur la zone de shoot ou sur la gâchette quand vous la tenez, il faut arriver à caler juste au milieu là où il y a la barre blanche. Ça vous fait le timing parfait, ce qui est à peu près sûr de rentrer shoot à chaque fois. Voilà, comme ça, hop,
Ça ne vous empêche pas que si vous êtes un peu avant ou un peu après, vous pouvez les rentrer. Après, ça va dépendre bien sûr des stats du joueur. Ouais, je suis un peu après, hop, ça va rentrer. Ah, par contre, alors, si vous êtes carrément trop avant, carrément trop après, voilà, comme là, là, on est sûr de rater. J'ai beau être en zone préférentielle. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est rouge. Hop, voilà, il va faire limite des herbos. Et enfin, voilà. Donc, les zones préférentielles, c'est une chose très importante à connaître dans NBA 2K. Moi, je recommande, pour le tournoi, vous prenez 2-3 équipes que vous aimez bien. Vous vous entraînez avec, vous essayez de savoir un peu les zones préférentielles. Peut-être pas de tous les joueurs, mais au moins des principaux marqueurs de l'équipe. J'ai envie de dire, par exemple, là, pour Houston, d'Arden, de Dwight Howard. Et peut-être on va changer peut-être de Ariza ou de Jason Terry. Voilà, essayer de savoir aussi, pas forcément que des titulaires, essayer de savoir aussi des remplaçants, pour quand vous avez des remplaçants sur le terrain, pour savoir un peu quelles sont leurs zones préférentielles. Par exemple, voilà, on va prendre Jason Terry. Ah merde. Hop. Vous voyez, Jason Terry, voilà, ça, les zones préférentielles ne sont pas du tout les mêmes que James Harden. Donc ça, c'est propre à chaque joueur. Donc force, lui, il a beaucoup de zones bleues. Par contre, disons. Mais ça n'empêche pas, voilà, qu'il peut quand même en mettre, surtout les zones qui sont comme ça. Mais ici, c'est vraiment les zones où il va être super chaud. Voilà. Et bien évidemment, les mecs comme Dwight Howard, les mecs, bah voilà, à 3 points, tout ça, c'est même pas la peine d'essayer d'en shooter. C'est normal, même là il est un peu bleu, là voilà, là il est super rouge, là voilà. Il y a même une petite zone rouge là, genre à 3 points ici. C'est un peu bizarre. Bon, vous voyez, il est super nul à 3 points, donc sa zone de timing elle est vraiment toute petite. Pour arriver à l'avoir, c'est pas dur. C'est super dur. Donc voilà, on peut déjà voir ça. Après on peut peut-être. Non, c'est pas là. On peut peut-être aussi, je peux peut-être vous montrer aussi ici, voilà. Non, on va faire. Hop. Ah. Voilà. Donc je vous ai montré donc avec les sticks, voilà, on fait des moves. Donc les moves, faut pas trop se précipiter, c'est forcément induit par les stats. Je vais vous montrer. On les voit les stats. Voilà. Les stats de Harden, voilà, les évaluations. Ça va être forcément, donc voilà, tous ces stats de tir, voilà, forcément. Et les stats de dribble vont forcément être induits par ces stats-là. Ces stats de contrôle du ballon, de adresse aussi. Adresse, c'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'adresse au shoot, c'est l'adresse dans la prise de balle et dans la conservation de la balle. Ça va être donc toutes ces stats de. Où est-ce qu'elles sont Les stats de dribble. Ah bah, elles sont pas dans les attributs, elles sont dans les notes. Donc, toutes ces stats de dribble vont être dans les organisations. Ah, c'est con, là, je suis en mode, je peux pas les afficher. A savoir que les stats, vous pouvez les afficher. Vous voyez, là, on a des A+, A-. Je vais sortir de là, je vais vous montrer. On a des A+, A-, on peut les afficher en mode plus détaillé. Il faut appuyer sur le stick. Voilà, en mode entraînement, on peut pas le faire. Si je vais en effectif, voilà. Effectif, voilà, on veut Carter Williams. Voilà. Vous voyez, donc là vous avez les effectifs, les notes habituelles, c'est que des B+, ces trucs, c'est pas vraiment très très parlant, enfin, c'est générique. Si vous appuyez sur le stick, voilà. Là vous voyez déjà que vous avez plus de stats. Vous voyez, c'est quand même plus, voilà. Donc un joueur représente tout ça. Donc vous voyez que déjà vous avez plus de stats que je vous montrais déjà. Et vous avez donc pas mal de stats. Et tout ça est en prenant compte, vous voyez, contrôle du ballon. Donc là, tout ce qui est les shoots,
les 3 points, les tirs rapprochés en déplacement, les tirs à mi-distance, les 3 points en déplacement, les 3 points à l'arrêt, ils ont ajouté pas mal de stats cette année. Donc les lancers francs, les doubles pas sans élan, les doubles pas avec élan, les dunks sans élan, donc les contrôles des balles, les passes, voilà, le QI des passes, les adresses. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Pas forcément à savoir par cœur, mais un peu à regarder dans quel... Vous voyez, lui, il a 93 interceptions. On peut se dire qu'on va pouvoir, dans un match, essayer de tenter quelques interceptions avec lui, même si c'est assez compliqué. Plutôt qu'avec lui, il en a 65. Ça paraît logique. Exactement la même chose pour les contres. Donc, une chose à savoir aussi, vous voyez, ils ont, en haut, vous voyez, on voit qu'ils sont meneurs de jeu polyvalents, défenseurs intérieurs. Et on voit insignes. Alors, les insignes, c'est des choses qui ont été... qui a été mis en place l'année dernière par NBA 2K. Cette année, ça a été un peu étoffé. Et donc, on peut voir, voilà, on peut voir ici toutes les insignes de MCW. Donc, vous voyez, il y a des insignes en bronze, des insignes en argent et des insignes en or. Donc là, on peut voir qu'il a l'acrobat. Donc, il peut modifier son tir en l'air et tenter des shoots difficiles. Donc, quand il va être dans cette situation-là, il va avoir des bonus de tir. Des bonus pour rentrer ses tirs, il aura plus de facilité forcément à rentrer ses tirs. Donc on voit qu'il est adepte de faire un Eurostep. Le Upstepper aussi, voilà, qui est adepte. Donc on voit que forcément, quand il est en argent, il sera mieux que quand il sera en bronze, mais moins bien que quand il sera en or, forcément. Ça dépend les insignes, mais normalement, bronze c'est plus 10%, argent c'est plus 20%, or c'est plus 30% de bonus. Donc voilà. Donc là, passeur Lob City, voilà, il exécute des passes de alley-oop rapidement, donc avec une précision de passe de plus 30% par rapport à sa stat, enfin de bonus sur sa stat de passe. Quand il est dans la situation de faire des passes de alley-oop, forcément. Voilà, pickpocket doué pour le vol de balle au porteur du ballon. Donc tenter des interceptions sur un joueur, il va avoir un bonus de 30% sur sa stat d'interception qui était de 93. Donc on va arriver dans des zones comme 97-98 de stade, donc très très bon intercepteur. Voilà, ça c'est des choses à savoir. Donc ça c'était déjà des insignes qui étaient l'année dernière. Maintenant ils ont rajouté des insignes mentales, vous voyez, elles sont là. Donc c'est des insignes à prendre en compte. Par exemple, vous avez l'insigne le gars qui est clutch, donc dans les derniers cartons, dans les deux dernières minutes, il va être très bon. Il va augmenter son niveau de jeu, par exemple Kevin Durant il l'a, Melo il l'a, des choses comme ça. Donc des choses à savoir, le match il est serré, voilà, vous allez essayer de jouer avec lui parce qu'il a cet insigne là, donc il va avoir des bonus. Donc voilà, là il a blindé, on voit qu'il résiste à la fatigue et aux blessures, la pile électrique, donc ça c'est pas mal blindé parce que forcément, un joueur plus il est fatigué, plus il va perdre des compétences, hein. Un joueur complètement fatigué en fin de match, eh ben, il va plus arriver à rien faire. Donc forcément c'est pour ça qu'il faut faire tourner son équipe, hein, comme dans la vraie vie. Parce que si vous faites jouer le mec tout le match, à la fin du match, il n'en peut plus. Hein. Donc pile électrique, vous voyez, il y a plein de. On va essayer de changer de joueur pour en montrer d'autres. Donc voilà, lui il en a. Voilà, il a bonne éthique de, donc voilà, bon athlète. Voilà, vous voyez, il y a plein de porte-drapeau. Donc voilà, hausse son niveau de jeu quand ses coéquipiers vont mal. À savoir, voilà, ça c'est pas mal aussi. Quand vous voyez que vos stars dans l'équipe et ils sont pas dans un super match, bah un mec qui a cet insigne là, porte-drapeau, lui, il va hausser son niveau de jeu, il va devenir un peu meilleur et il va pouvoir marquer des points. Donc voilà, vous voyez, il y en a plein, c'est des choses à savoir, c'est des choses qu'on sait à force de jouer. Le principal, j'ai envie de dire, pour le tournoi, c'est connaître ses effectifs. Donc connaître les zones de shoot préférentielles, connaître les insignes, connaître qui, des fois il y a des, certains ont des affinités entre eux, connaître qui est affilié avec qui, donc ça peut être pas mal. On va se lancer une partie rapide, je vais vous montrer 2-3 trucs aussi en match. Oui, on s'en fout. Hello again, everybody. This is Ernie Johnson. Welcome to 2K Sports. Glad to have you with us, and the legendary Shaquille O'Neal sitting alongside. Tonight's broadcast will feature the Miami Heat as they go up against the San Antonio Spurs. Donc là, des choses intéressantes à savoir en début de match. So San Antonio, their last après que vous connaissez vos effectifs, on s'en fout. Comment ça, Matt Bonner en pivot? Ah oui, Thiago Splitter, il est blessé. Oh. Bon, on s'en fiche, c'est pas bien important.
ça. C'est Kevin Durant. Welcome to 2KU. Ah, faut que je sois 2KU, il m'a expliqué. Donc, dans 2KU, c'est important pour les ceux qui commencent le jeu. Il y a pas mal de modes d'entraînement, de choses qui sont expliquées. C'est intéressant. Donc, la base des passes, quand on appuie sur la gâchette haute droite, voilà, il y a une icône qui apparaît, c'est pour faire la passe au joueur directement. C'est plus simple. Y. Pour un mec comme Duncan, voilà, qui est fort dos au panier, voilà. Vous pouvez appuyer sur Y, il se met dos au panier, mais attention, vous avez 5 secondes, et après, vous pouvez tenter un shoot. La jauge de tir marche aussi hein, dans ce genre de situation. Donc, la chose importante, que vous appuyez sur les flèches, vous voyez, flèches de gauche, voilà, on a des tactiques rapides, donc isolement de Parker, hop. Vous voyez, ils vont essayer de s'en aller comme ça. Hop, on peut tenter des choses. Hop, tout seul. Donc la flèche de gauche, il y a des. Donc la défense et l'attaque. Hein. Généralement, c'est isolement du mec qui a le ballon. Jeu au poste. Démarquer les tireurs. Enfin, faire un démarquage pour le mec qui a le meilleur shoot. Etc. Là, vous avez bien sûr aussi. Les tactiques détaillées, je vais vous montrer ça après. Regardez. Donc les tactiques détaillées, si vous appuyez voilà, sur la gâchette haute gauche, vous avez une icône sur le truc. On va prendre par exemple Kawhi Leonard. Voilà, vous voyez, on a. Je vais pas être assez vite. On a voilà, des tactiques qui apparaissent, on peut choisir. Et voilà, là il va nous montrer les schémas. Donc force A pour les schémas d'office. Dans les paramètres, vous êtes en simplifié. Il faut aller dans paramètres du coach. Vous voulez tout afficher. Vous mettez ici, vous mettez affichage prévision, vous mettez maximal. Et vous pouvez mettre toutes les tactiques hein, si vous voulez. Moi, je mets tactique que celle que j'appelle moi pour être tranquille. Et en maximal, on est tranquille. Les dispositifs offensifs, vous pouvez voir manuel ou auto. C'est vous qui voyez. Si vous voulez que l'ordinateur gère pas mal de trucs ou pas. Moi, je préfère jouer en manuel, les appeler moi-même. Là, il faut que je me déplace comme ça. Ah ben, je vous explique les choses. Je sens que je vais faire pas mal de 24 secondes dans cette petite vidéo à vouloir vous expliquer plein de choses. J'aurais pu enlever la règle des 24 secondes, hein, d'ailleurs. Je sais pas si je peux le faire en plein match. Ça va être dans... je pense que ça va être là. Non, c'est pas là. Difficulté pro. Ouais. Bah non, c'était configuré avant. C'est pas grave. Donc, la défense, donc la gâchette gauche de. En laissant appuyer sur la gâchette gauche. La gâchette basse. Enfin, la gâchette. Vous entrez en mode défense. Sachant que votre personnage est plus en pressing sur le joueur, mais est plus lent à se déplacer. Vous pouvez aussi appuyer sur le turbo, mais c'est plus lent à se déplacer. Donc voilà, vous voyez, j'attends. Comme je vous disais, ne pas se précipiter dans les tickets. Essayez de voir le jeu venir. Là, on voit, voilà, hop, lui il demande la balle, il est bien écarté, hop, ça rentre. Donc la défense, comme vous dites, voilà. Là, vous voyez, Parker, il est comme ça. Et si j'appuie sur le stick, voilà. Il se met en position de défense. Et après, par contre, il est plus loin à bouger. C'est des choses à prendre en compte. À tenir la gâchette, la relâcher, la tenir pour essayer de gérer toujours son joueur. Appuyer sur le turbo pour les déplacements latéraux, ça aide. Mais pour que les joueurs méga rapides. Souvent ça suffit pas. Voilà. Je vous montre, alors on va essayer d'appeler d'autres trucs. Voilà. On appelle une tactique. On attend de voir que ça se mette en place. Donc là ça part. Vous n'êtes pas obligé de la suivre la tactique. Si vous voyez que ça marche mal. N'est pas oublié de vous acharner à la suivre, vous pouvez tout à fait faire autre chose, elle va s'annuler toute seule. Et les joueurs vont essayer de reprendre après le jeu un peu normal, on va dire. Et
Donc un petit truc à savoir, donc voilà, là il propose, il fait un bloc tout seul, on peut y aller. On peut le demander les blocs en laissant appuyer sur B, vous voyez là, hop, on roll. Donc il y a deux façons de bloc. Alors il y a le pick and roll, donc il vient faire un bloc et il part couper vers le panier. Et il y a le pick and pop, en laissant appuyer sur la barre de sur le B, vous voyez que la barre monte et elle devient rouge, là c'est le pick and pop. C'est-à-dire que le joueur vient faire un écran et après il se dégage, il s'écarte vers l'extérieur. Donc c'est pratique pour des ailiers, des pivots qui ont des capacités à tirer un peu de loin. Des mecs comme Nowitzki, Spencer Rose, des choses comme ça. C'est pratique. Et les pick and pop, c'est pas mal. Les pick and roll, c'est pas mal pour un peu des mecs un peu bourrins, pour balancer des alley-oop aussi de temps en temps selon comment la défense s'est adaptée. C'est vraiment intéressant aussi. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, forcément. Sinon, ce serait trop facile. Voilà, en mode pro, ça marche à chaque fois. Donc petite chose à savoir pour les passes, donc je vous ai montré là, voilà, après on choisit après. Si vous appuyez sur gâchette gauche et A, vous faites une balle, voilà, une balle à terre. Hop. Ce qui peut être pratique des fois. Ça peut être pratique des fois pour faire des grandes passes à terre, ou alors un mec qui est pris par un grand devant lui, faites la passe à terre. Ça permet d'éviter d'être intercepté, des choses comme ça. J'essaie de vous montrer, il y a Boris Blue. Voilà, je vais vous montrer, voilà. Et hop. Vous voyez, hop, il va s'écarter. Et là, on peut tenter un shoot. Voilà. Donc sur les lancers francs, je vais vous en parler, mais dans le tournoi on l'a interdit. On peut, quand on est en multi, on peut faire vibrer l'écran. Bon là, aujourd'hui on peut pas. On peut faire vibrer l'écran du personnage en appuyant alternativement sur les gâchettes droite et gauche. Vous pouvez le savoir comme joueur online. Je vais demander un tournoi. Pour demander les tournois, vous appuyez sur les gâchettes haute, droite et gauche en même temps, RB, LD, LD. Donc, dans les tournois, donc on peut faire forcément des remplacements. Là, il y a les objectifs principaux qui sont en automatique d'office. Vous pouvez les passer en manuel. Et là, vous pouvez choisir des choses. Donc, vous voyez qu'ils sont, ils sont pas très bons sur les shoots à longue distance. Vous pouvez laisser ça. Qu'ils sont pas très forts à la raquette. Vous pouvez laisser ça. Ou vous avez un mec super fort. J'ai croisé Duncan. On peut faire ça avec le repos. On peut aussi un mec qui est chaud. On prend ça. Et voilà. Hop, je sais pas. Si lui est chaud, hop, voilà. Donc les oppositions, là on choisit qui défend sur qui. Et les paramètres défensifs, ça c'est pour chaque joueur. Par exemple, on peut choisir la pression. Donc on veut que le gars il reste un peu à distance, ou on veut qu'il soit vraiment serré. Voilà, on choisit là. En auto, c'est pas trop mal, ça va dépendre un peu. Ça sent qu'après, si on choisit une pression serrée, le joueur va vraiment tout le temps coller le son attaquant, donc il ne viendra pas aider sur d'autres phases de jeu, par exemple un pick and roll ou quoi, il va rester. Donc on peut tout choisir, au niveau de la défense. Hop. Vous voyez, même ici dans les petits moves près du cercle, maintenant le timing est important. L'année dernière c'était un peu moins le cas, maintenant cette année c'est important, il faut gérer le timing sur tous les jeux. Oh.
Donc là, j'ai laissé les remplacements en mode automatique, mais on s'en fiche. Donc dans le tournoi, il faudra au moins faire jouer 8 joueurs par match. C'est-à-dire, voilà, faire au moins faire des remplacements. De toute façon, avec des cartons de 8 minutes, ce sera un peu obligé. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille tout à l'heure de bien savoir quand même dans les remplaçants un peu les autres deux shoots préférentiels. Sachant que les autres deux shoots préférentiels, on peut pas les savoir, il me semble pas. On peut pas les savoir dans le... une fois qu'on a commencé un match. C'est pas possible. On sait un peu ce qu'il préfère, parce que lui, on voit, il aime bien dunker, il aime bien tirer à mi-distance. Mais on peut pas voir leur zone de préférentiel. On voit, voilà. Il faut le savoir, ça, on peut le voir que dans le mode entraînement. Donc allez en mode entraînement. Choisissez une équipe, s'il vous plaît. Allez en mode entraînement. Et entraînez, tout simplement. C'est quelque chose de pratique. Parce qu'on peut le savoir avec, la jauge qui est en bas. Mais des fois, les différences sont tellement faibles entre une zone où il est bleu et une zone qui est rouge que autant aller en mode entraînement. Ça sera plus simple d'aller en mode entraînement pour savoir. That's a great point. I mean, the Spurs have won going big, they've won going small, they've won as a defensive-focused team, offensive-focused. I mean, they haven't... Donc à noter pour les layups comme ça, que si vous lancez le layup, vous pouvez après faire ce qu'on appelle un double clutch. C'est-à-dire, ça dépend comment vous jouez, mais si vous jouez avec le stick, vous appuyez dans une direction, et il va retenter, je vais essayer de vous en faire un, il va retenter un truc. Si vous jouez, si vous appuyez sur 3, pour lancer le shoot, vous rappuyez sur 3 et il va on peut essayer comme ça d'éviter le contre. Je vais essayer de vous en faire un. Hop là, je rappuie, voilà, je l'ai mis. Vous voyez, il partait main droite, hop, je rappuie par main gauche. Normalement on peut le voir là. Si ça s'est bien fait, hop. Hop, et comme là il partait main droite, et là j'ai appuyé, et hop, il part main gauche. Ça change. Des fois c'est plus impressionnant, parce que là il y avait l'animation de contact de la faute. Et souvent c'est plus impressionnant que ça. Donc à noter les lancers francs, je ne voudrais pas parler lancers francs, donc on appuie en bas du stick. Et petite liste d'appui en haut, ça ne sert à rien, faut juste vous relâcher au bon moment, ça marche. Il faut, là c'est pareil, c'est chaque joueur a son mouvement de lancer franc, il faut le savoir. C'est juste, il faut le savoir. C'est au moment où le joueur va relâcher le ballon qu'il faut relâcher le stick. Donc c'est à connaître. Il n'y a pas d'autre moyen de savoir que de jouer et de s'entraîner. Donc, sachant que forcément un joueur qui a une meilleure note en lancer franc qu'un autre, ce sera un peu plus permissif si vous êtes un peu en avance ou un peu en retard. Un joueur qui a 90 au lancer franc, forcément si vous êtes un peu tôt ou un peu tard, ça va avoir plus de chances de rentrer qu'un joueur qui a 60. Ça paraît logique. Ginobili in the final year of his two-year contract extension with the Spurs, Steve, and some speculate that he may retire after this season. Pour la défense, vous pouvez appeler une prise à deux. Vous êtes en défense, vous appuyez sur la gâchette du gauche haut. Et vous êtes après, donc il y a une nouvelle icône qui apparaît, comme celle pour sélectionner les stratégies en fait. Il y a une icône qui apparaît sur la tête des joueurs, vous appuyez sur le bouton que vous voulez, et ce joueur-là viendra faire une prise à deux avec vous sur le joueur. Mais forcément, laisse l'autre joueur la seule. C'est le principe d'une prise à deux. Euh,
Et petite chose aussi, le Paseva, je peux vous parler du Paseva. Donc le Paseva, c'est la même chose, ça fait 3-4 ans maintenant. Ils ont mis ça le Paseva, 3 ans, je pense, depuis 2013. Le Paseva, je vais vous montrer. On va faire un Paseva. Alors le Paseva, vous prenez le joueur, par exemple, je vais faire un Kawhi Leonard en bas. Vous faites la passe. Ah, vous laissez appuyer, vous gardez le contrôle de Tony Parker, et quand vous relâchez, ah bah c'est pendant un mini-tour. Et quand vous relâchez le bouton, il va refaire la passe au joueur que vous avez. C'est pas une feature que j'utilise souvent, de temps en temps. C'est pratique par exemple en contre-attaque. On essaie de le refaire. Voilà. Ah, je fais contre. A noter que les comptes cette année sont vachement mieux gérés, mais il faut bien les prendre comme il faut parce que ça fait des fautes. Tire la rigo. A noter aussi, je vous ai parlé des pick and roll, que les pick and roll, une fois que vous l'avez déclenché, il faut bien attendre que le joueur soit venu, ça soit bien posé. Sinon, il peut y avoir une faute. Il y aller un peu vite. Ça dépend aussi après, bien sûr, de la stat qu'a le gars à poser les pick and roll. Il y a une stat pour tout dans le jeu, de toute façon. Je pense qu'on va avoir un peu plus fait le tour des notions de base du jeu. Donc après, c'est comme tous les jeux, hein. C'est à force de jouer, à force de s'entraîner, que vous allez apprendre à connaître vos outils. Mais donc, je me répète, mais mon conseil principal pour le tournoi, c'est peut-être vous mettez en mode, tant qu'à faire pour faire des succès, tout ça, vous mettez en mode majeur, prenez une équipe qui vous plaît. L'équipe que vous voulez jouer pour le tournoi. Et vous jouez. Vous jouez, vous entraînez. Comme il y a des entraînements aussi dans le mode Mongen, pour ça, vous faites une paire de coups. On va s'arrêter là. Donc à noter aussi que les équipes vont avoir comme dans la réalité. Oui, ça fait le même. Comme dans la réalité, vont avoir des tendances à jouer plus perso sur un joueur ou plus collectif. Les scores sont très collectifs dans la réalité, donc dans le jeu ils vont être très collectifs. Une équipe comme New York, c'est Melo qui croque le ballon. Et donc dans le jeu ça va être un peu pareil. Hein. Donc à noter, voir quel style de jeu vous aimez, si vous aimez un jeu avec de la passe, etc. Donc si vous aimez un jeu un peu avec des croqueurs, prenez des équipes en conséquence. Ne pas vouloir absolument prendre San Antonio parce que vous kiffez San Antonio, alors que vous aimez jouer avec un ou deux joueurs qui mettent quasiment 80% des points de votre équipe. Parce que là, il vaut mieux jouer avec des équipes comme New York ou comme Miami. Que Dwayne Wade lui croque pas mal quand même, ou les Lakers, mais les Lakers sont nuls cette année. Ouais, ça va risquer péril. On va s'arrêter là, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce que si je pourrais vous montrer là, forcément, voilà, plus en détail par rapport à tout à l'heure. Donc on retrouve ce qu'il y avait tout à l'heure dans les temps morts. Hein. Donc, voilà, la pression sur le porteur, donc là, à vous de gérer. Sachant qu'en auto, en fait, quand le mec est un peu chaud, ça va, il va le presser un peu plus. Moi j'aime bien le faire manuellement quand je vois qu'un mec est un peu chaud, tout ça, qui s'enflamme, il vient de marquer 6-8 points d'affilée. Tu lui mets un petit pressing, il est serré. Donc là voilà. Donc là tu as la pression loin du ballon. Donc sur le porteur, c'est que quand il a le ballon. La pression loin du ballon, bah là c'est pareil. Par exemple, un mec qui est un peu nul à longue distance, vous pouvez lui mettre modéré ou à distance. Vu que forcément il va avoir tendance à se rapprocher du panier, vous aurez le temps
de vous rapprocher de lui pour l'empêcher de. Alors qu'un mec est bon, vous lui faites essayer d'empêcher la passe. Quoi. Donc direction forcée, là vous pouvez. Là c'est pas mal. Vous pouvez. C'est une nouveauté de cette édition. Vous pouvez lui dire de si vous voulez aller au milieu ou vers la ligne de fond. Il y a des joueurs qui sont très bons sur la ligne de fond et d'autres qui sont très bons sur le milieu. Donc essayez de lui mettre l'inverse de là où il est bon. C'est la logique du truc. Donc là les écrans c'est quand le joueur que vous sur lequel vous défendez par exemple Norris Cole là, dans ce cas là demande un écran, vous demandez à passer devant, passer derrière ou changer de joueur, c'est à dire changer de joueur celui qui défendait sur le joueur qui est venu faire l'écran va changer avec vous pour prendre Norris Cole et vous retrouvez à prendre celui qui faisait l'écran et le ice c'est on ne touche à rien, vous restez chacun sur vos joueurs, vous essayez de vous débrouiller. Donc suivre, voilà, donc suivre de près, suivre de loin, en double, donc ça c'est quand les joueurs tentent des pénétrations. Donc vous pouvez, voilà, ils vont demander à suivre de près, suivre de loin, ou alors doubler sur lui, donc un autre défenseur vient sur lui. Le poste, pareil. Quand il est au poste, vous lui demandez si vous vous mettez devant, derrière, 3 quarts haut, 3 quarts bas. La prise à 2 à l'extérieur, prise à 2 au poste. Voilà, vous pouvez tout gérer. Donc voilà, vous voyez les oppositions, c'est pareil. Donc, le réglage du coup, vous pouvez changer ça. Donc si vous voulez utiliser de la zone, comment vous utilisez la profondeur de banc. Donc plus c'est élevé, plus vous allez utiliser de joueurs, moins c'est élevé, moins vous allez utiliser de joueurs. Généralement 10 c'est bien. 9, 10, enfin, ça dépend. Moi j'ai envie de dire 10 c'est bien. 9 si vous voulez un peu moins, 11 si vous voulez un peu plus, 10 c'est pas mal. Après là vous êtes vraiment à des. Vous utilisez pas des masses de joueurs. Hein. Donc utilisation du banc. C'est pareil, là, c'est à voir comment vous voulez utiliser votre banc ou pas. C'est le nombre de. Là il a 75% d'utilisation du banc. Et donc les stratégies, vous pouvez changer les stratégies si vous en avez aimé. Par exemple, vous pouvez prendre, vous aimez bien les stratégies, je sais pas, des Blazers, mais vous voulez jouer avec les Spurs, vous pouvez le faire. Donc ça c'est pratique aussi. Sachant que tout se règle aussi avant le match. Vous pouvez le faire avant le match, c'est plus pratique de le faire avant que de le faire après. Et vous pouvez aussi, ça vous pouvez aussi faire avant le match, vous pouvez aussi attribuer des tactiques à chaque joueur. Donc là vous voyez, il a en priorité un des pick and roll, voilà, et des shoots à mi-distance. Vous pouvez lui ajouter si vous voulez de faire des tactiques d'isolation, de faire des tactiques poste bas, poste haut, des défenses, du démarquage, voilà. Vous pouvez changer les trucs. Donc là c'est les selon généralement c'est basé sur les points forts du joueur. Si je change de joueur, vous voyez, lui qui est bon à 3 points, voilà. Kawhi Leonard, c'est pareil. Vous voyez, ça va changer de selon les joueurs. Les attributions auto sont généralement très bien faites, mais après, ça va dépendre de vos styles de jeu. Je pense que pour des gens qui débutent le jeu, les attributs tactiques, ce n'est pas une priorité, à part si vous voulez vraiment. Par exemple, on peut peut-être ajouter un petit peu un 3 points, un Tipeee. Bon, c'est pas le mieux, mais voilà. Vous pouvez, après, donc aller ici et changer. Donc là, vous voyez, en fait, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 7 pages de tactique attribuées Tipeee. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, quand vous appuyez sur la gâchette gauche, ou après, vous appuyez sur le bouton de Tipeee. Et après, les pages, vous les tournez avec la gâchette droite. Donc, il a 7 pages de à chaque fois attribuées aux flèches. Donc, en fait, il en a. Il a 25 tactiques attribuées à lui-même. On peut appeler 25 tactiques qui seront pour Tony Parker. Sachant que les tactiques, certaines tactiques ont plusieurs variantes dans la même tactique. Ça, c'est aussi pareil, ça s'entraîner. Vous appelez un truc, vous voyez que ça marche pas, vous restez, vous voyez, hop, bah, y a un autre truc qui se développe, qui était déjà prévu, et ça part sur autre chose. C'est souvent le cas quand vous avez des coachs bons tacticiens. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer après? Je pense qu'on a bien fait le tour là quand même au niveau des notions de base
du jeu. Quand j'y suis, je vais vous expliquer comment on va jouer ensemble pendant le tournoi. Donc vous, bien sûr, vous, ce sera ajouté en ami, vous faites jouer avec vos amis ici. Donc vous allez avoir tous vos amis qui vont être là, vous les invitez. Là, je peux pouvoir. Ah, il faut que je vous montre. Je peux pouvoir, donc, continuer. Et là, on va pas faire partie privée en équipe. On va faire. Vous appuyez à gauche. Et vous faites partie privée en ligne. Ce qui va permettre. Parce que là, vous voyez, les équipes sont comme ça. C'est pas terrible. Vous faites partie privée en ligne. Et là, donc vous vous mettrez en difficulté All-Star. Et vous vous mettrez en simulation. Avec des cartons de 8 minutes. Celui qui ostera la partie. Donc celui qui ostera la partie sera joueur à domicile. Hein. Voilà, je peux pas faire continuer parce que pas de deuxième joueur. Mais après, donc après vous rentrez dans le menu, voilà, sélection d'équipe, sélection des maillots, etc. Le match sera lancé normalement. Ce sera parti. Je pense que là on est bien complet. Je vois pas trop d'autres choses à vous expliquer dans les options peut-être. Non, il n'y a pas grand chose à vous expliquer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses ou que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Steam, sur le Mumble ou ce que vous voulez. J'espère avoir été bien complet. Et puis je vous dis à bientôt dans le jeu. À bientôt pour le tournoi. Entraînez-vous bien.